Non, c'est tout simplement le nom qu'on m'a donné. Il n'y a pas de traduction à faire. Mon patronyme, c'est Mampouya. Kanunka, c'est le nom de mon père. Tchabo, c'est le nom de ma grand-mère paternelle. Je ne l'ai pas connu, je l'ai bien aimé par la sagesse qu'elle m'a laissée à travers mon père. J'ai donc collé son nom à celui de son fils et ces deux noms à celui de son petit-fils. Voilà. Oui, je viens du Kassai central, du territoire de Demba, c'est à 60-65 km au nord-ouest de Kananga, de la ville de Kananga. C'est trop compliqué. Je ne suis pas vraiment très, très culture locale. J'ai quitté mes parents à 11 ans et demi, 12 ans pour les études. J'ai quitté ma province à 19 ans. Et donc, je ne connais pas vraiment peut-être même pas la sagesse du terroir. J'aime beaucoup quand on dit Bantou Mukalenge, Mukalenge Bantou, c'est-à-dire les hommes qui sont le chef, qui appartiennent au chef, qui sont en relation avec le chef, et le chef lui-même est en relation avec les hommes. C'est une relation dialectique, pas nécessairement antagoniste, mais qui montre que les deux doivent aller de pair. C'est vraiment le fondement de la légitimité. Et voilà encore un préjugé, un cliché de Quinoa. Ce pourquoi je n'ai pas voulu entrer dans les détails de mes origines, comme vous le disiez tout à l'heure. Je suis fier d'être le professeur Auguste Mampouya. C'est tout. Fier d'appartenir à telle tribu, à telle... Oui, parce qu'on ne la choisit pas, sa tribu, mais je ne peux pas la renier non plus. Maintenant, ce que je refuse, c'est le cliché. Les Baluba ou Bakongo ou Bamongo, ça, je refuse ce cliché-là. Non, les valeurs que je chéris, si je commençais à dire que je suis plein de valeurs, ce serait prétentieux. Je dis seulement les valeurs que j'aime bien, la vertu, l'honnêteté, l'altruisme, l'engagement quand on doit faire quelque chose, l'amour du travail, et le travail bien fait, et bien évidemment, la charité, et même si celle-ci exige quelques moyens, pour autant que j'en ai les moyens, je l'exprime, mais je l'ai au cœur, dans mon cœur, pour toute personne. Et donc, je prends toute personne avec bonne foi. Je prends toute personne avec confiance, jusqu'à ce qu'elle me déçoive. Mais, certes, je lui montrais que j'ai vu qu'elle m'a déçu, mais... moi, j'avais fait les humanités gréco-latines avec beaucoup de connaissances en culture gréco-romaine, en histoire, en langue, notamment les langues anciennes, latin, grec, etc. Et ces disciplines prédisposent, soit à l'époque nous le savions, soit à la médecine, à cause de l'étymologie des termes techniques de la médecine, soit au droit. Parce que justement, le droit moderne, notre droit, est l'héritier du droit romain, avec les influences de l'hellénisme, c'est-à-dire de la civilisation grecque. Et donc, j'aimais bien la culture juridique, j'aimais bien la logique juridique et la norme. C'est quelque chose qui m'interpelle, non pas pour sévir, mais pour ordonner la société. Le Congo est comme tous les autres pays. Il est difficile de dire que tel pays connaît la justice et tel autre
la connaît pas. Aujourd'hui, nous avons, je crois, une panoplie assez importante des droits humains. Et par conséquent, sur ce plan-là, nous avons les armes nécessaires. Mais je pense que même nos gouvernants, ils sont à la recherche de la justice. Et il ne faut pas croire que tout se fera en un seul jour. Rigoureux, professionnel, aimant mon métier plus que tout. Écoutez, c'est peut-être aussi présomptueux, mais je crois que d'avoir donné toute ma vie, à commencer par la partie de ma jeunesse, je ne dis pas petit enfant, mais quand j'avais encore toutes les forces, toutes mes énergies, terminant mes études et obtenant mon diplôme, mon doctorat d'État à 28 ans et demi, je crois que effectivement j'ai donné le maximum pour la nation, pour notre pays, sans trop demander de ce pays. Ça, je peux aussi avoir la faiblesse de le dire, de ne pas trop demander à notre pays. Je dois lui avoir donné tout ce que je pouvais lui donner. Et j'en suis fier. Distraction, pas beaucoup. Je n'ai pas de distraction. Quand je ne fais pas la lecture, je peux regarder des documentaires à la télévision. L'oseille, le pondou, le reste moi, hein, je dois l'avouer. Et puis j'aime tout ce qui est protéines naturelles, les chenilles, les choses que les blancs appellent les insectes.